Cause we can't trust ourselves qu'elle n'a pas dormi à cause de ton enfant, tu m'as dit ça. Oui, mais ça va là, c'est euh, c'est plus euh, le, le euh, plein d'événements en même temps aujourd'hui qui qui convergent, j'ai plus de données parce que j'étais en voyage puis là j'essayais de rentrer en contact avec vous puis ça marchait pas puis je savais même pas que j'avais plus de données c'est ce genre de journée un okay. peu un peu fucked up un peu euh... <laughs> Puis tu étais en vacances pour combien de temps Je suis parti je suis parti une semaine. Ouais, je suis parti juste Costa une semaine. Ouais, ouais ouais, ma femme ma femme euh, ma femme avait besoin de T'sais, elle à porter un enfant <laughs> après comme quelques, quelques semaines après l'accouchement et comme je euh, euh, pense que genre, ce genre ce serait down juste comme mentalement que genre on, on se fixe à un moment où est-ce qu'on peut aller euh, relaxer. on peut relaxer un peu parce que c'est quand même très éprouvant l'expérience de genre c'est ça de... je, je, suis pas une, je suis pas une femme mais, mais j'imagine ça a l'air éprouvant quand même fait que et as aimé je ça? Sais que c'est éprouvant en fait oui non j'ai vraiment aimé ça moi, ça, ça a fait du bien ouais ça a fait du bien Oh. C'était intéressant parce que j'ai euh, constaté qu'il y a beaucoup de... On en parlait avant qu'on commence, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de... Euh, on appelle ça des expatriés. C'est intéressant. Parce que moi ici, ben, toi aussi, on est des immigrants, mais... Ailleurs, <laughs> a... de... je questionne de, de... ça tout le temps. Expatrié, le... ça dépend de combien de... De cob quand t'arrives quelque part. C'est vraiment ça parce que c'est quoi la raison? Je sais pas pourquoi on utilise deux mots différents. Parce que c'est vraiment des immigrants qui ont immigré du Canada, on va dire. Puis c'est des immigrants du Costa Rica. Mais non, non, c'est des expatriés. Mais si moi je veux là-bas, moi je suis un immigrant. Ah, exact, je sais pas. Ça dépend de t'as combien dans ton compte de moi ouais. je, je pense que c'est vraiment ça. Mais il y avait beaucoup de. Beaucoup d'immigrants de, de, euh, au Costa Rica, des immigrants canadiens. canadiens qui vont voler des jobs. Oui, ouais, des, des réfugiés québécois. Ouais. <laughs> mais euh, non, mais ça m'a juste vraiment sauté aux yeux parce que c'est un, un endroit où j'avais été déjà à quelques reprises, puis il n'y avait pas autant de, de gens qui avaient fait le move. so il y a, y, a, y a de plus en plus de gens qui vendent tout, euh, puis qui... Puis qui euh, puis qui déménage dans le fond dans le sud ou, ou ailleurs ou whatever. C'était intéressant d'observer ça. Je m'attendais pas à ça. Je ouais, m'attendais hein. pas à ça. Non, non. Moi, je vois le monde qui parle puis je check beaucoup de vidéos, mais ouais. pour moi, ça serait un choc aussi parce que c'est juste que je le vois en ligne. Puis des gens avec beaucoup d'argent ouais. sont comme écoute, même si as tu n'as pas d'argent, on ne peut rien faire, on doit partir. Euh, tout euh, va aller mal. Ouais. On n'est même, même pas arrivé au rock bottom ça va être pire. Puis des fois, je suis comme, peut-être ils sont juste, ils paniquent beaucoup, puis à cause qu'ils ont les moyens, ils peuvent tester ça de partir. Mais de plus en plus, je vois du monde qui sont quand même intelligents, ouais. qui sont, ils vont pas jusqu'à la Costa Rica, mais ils vont aux États-Unis. Puis ils disent, non, 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 fuck that, je veux être loin du Canada, vous avez rien vu encore. Puis ça, ça me fait peur. Ouais. Pis, moi, j'ai pas les moyens de dire, OK, on prend tout ça, puis on déménage ailleurs, puis tout ça. Alors je suis comme, shit, imagine, nous, qu'est-ce qu'on va faire? ben c'est intéressant, parce que tous les... Euh, toutes les toutes les civilisations qui ont connu des déclins, euh, c'est souvent des déclins euh, drastiques. C'est comme one shot. Puis ah. euh, so, les gens qui ont quitté les civilisations en déclin, c'est souvent les plus paranoïaques. Ouais. So, c'est weird parce qu'on est découragé comme individu à, à être paranoïaque. La société ne nous encourage pas à être paranoïaque. Elle nous encourage à faire confiance, à à voir que tu l'avenir la, la, va être meilleur, que l'économie va aller mieux, que puis là tu vois des gens qui ont l'air un peu parano, qui passent à l'acte, ça fait réfléchir. Moi, moi, je suis vraiment en mode observation. J'ai l'impression que la pandémie, ça a comme ça, ça, ça a un peu fucké tout le monde. Ouais. Et en plus, il y a pas eu de post-mortem. Parce qu'on veut Il pas... y a trop de choses qu'on veut pas discuter. C'est ça. Ouais. Puis c'est fou le nombre de. Le nombre de, de, de sujets sur lesquels, mettons, quelqu'un deux personnes vont être d'accord, puis deux minutes après, un autre sujet, ils sont complètement à l'opposé. Euh, pas juste par rapport à ça, mais par rapport à plein de choses qui se passent dans le monde, par rapport à des, des guerres, par rapport à des situations géopolitiques, par rapport à l'économie. So, Je pense que les gens se sont jamais sentis aussi seuls dans leur tête, puis. Euh, si J'ai l'impression qu'avant, c'était plus simple. Si t'étais libéral, t'étais étais comme... T étais, t étais comme... vivre le progrès. C'était ça, tes motivations dans la vie. Tu voulais plus de progrès. Puis là, tu voyais les conservateurs comme des gens... Euh, 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 qui motive, de, euh, de, pro de, de progresser. De progresser ouais. parce qu'ils veulent, ils veulent euh, des. Euh, ils ont des, 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 des motivations plus économiques plus traditionalistes, puis traditionalistes. Fait que c'était plus, plus simple de diviser le monde en deux, j'ai l'impression. Moi, j'ai grandi dans ce monde-là où, où tu avais ah. deux équipes. Puis maintenant, il n'y a pas deux équipes. Il y a genre 8000 équipes par seconde. Par seconde. <laughs> puis quand quelqu'un n'aime pas une de tes idées, il te rentre dans une de ses équipes ouais. ennemies, ouais, même ouais, si ouais. tu ne fais pas partie de ça. Ouais. C'est juste plus simple. Ouais. OK, toi, je te déconnecte, tu là-bas, je m'en fous, tu n'es pas un être humain, ouais, 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 parce ouais. que tu votes pour Trudeau, parce que tu votes ouais. pour Pauly, et puis c'est absurde. Mais je pense que c'est plus facile pour, je vais dire, les, 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 les comedians, ouais. mais il doit y avoir des gens dans la société qui ont des natures un peu comme les nôtres, mais qui ne sont pas dans le milieu artistique, mais à la base... Euh, un stand-up comédien, une stand-up comédienne, c'est quelqu'un, je pense, qui a un, un côté euh, anarchiste. Ouais. C'est-à-dire, je suis à, à l'extérieur du système. Il y a un côté fuck le système qui te mène à faire ce genre de, de job-là, même si euh, on fonctionne bien dans le système, même si on, on paye on nos impôts, on fait nos shit. On là. voit les erreurs, on voit tout ce qui ne marche pas. Exact. Et on ne peut pas ne pas les voir. C'est e ça mon problème. Exactement. Mais yo, on est. On ferait pas ce job-là si on n'avait pas ce côté-là qui est à l'extérieur de, 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 de tout ce qui est comme institutionnel. Pour, que ce soit ta famille, à la base, c'était la famille, l'institution. Tu sais, C'est la famille que j'analysais, que je, 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 je me rebellais contre ma famille. Tu sais, je, ma, mon premier acte de faire de l'art ou du stand-up, c'était de me rebeller contre ma famille qui ne voulait pas que je fasse ça. So, dans, ma, dans mon ADN, j'ai quelque chose. J'ai un fuck you qui se lève très vite. <laughs> c'est pas, pas compliqué pour moi de tomber dans cette posture-là. Non, puis moi, je sais maintenant que je peux plus travailler dans des. On va dire le bureau. Puis je sais pourquoi. Je ne vais pas donner trop de détails parce que je veux pas que, on, parce que la personne écoute le podcast. Puis je veux pas que sa compagnie sait de qui on parle. Oui, c'est bon, bon. Mais <laughs> euh, récemment, puis ça fait deux jours de ça, il euh, y avait une email dans cette compagnie. Cette compagnie, leur bureau, on va dire, il y a 10 gars puis on va dire 30 femmes qui travaillent là-bas puis on mis une email on dit arrêtez d'enlever les tampons du toilette des gars parce que les 10 gars étaient en train puis on dit comme ben est-ce qu'on utilise est-ce que une de nous veut ça non ok on va le donner aux filles peut-être une... non ça doit rester dans euh, dans la des toilette des gars puis ils ont trois toilettes maintenant, ils ont une toilette pour les femmes, gars, puis non binaire. Mais c'est une toilette, c'est une fucking trou. C'est plus simple de juste avoir une toilette en général pour tout le monde au lieu de faire ça. Sinon, on va diviser trop. Tu vois, neuf toilettes, c'est tu sais, pour des girafes ou whatever. Alors, puis quand ils ont dit arrêtez d'enlever les tampons, <laughs> puis moi j'ai vu les mails, suis dit si moi je travaillais là-bas, ça serait l'anarchie totale. Moi j'aurais fait une reply là, like, arrête, comme, je, ils vont me virer immédiatement. C'est trop absurde. Là, tu pousses trop. Ça, c'est pas de progrès. Ça, c'est même pas de régression. Ça, c'est juste être retardé. C'est trop. Tu sais? Alors, j'ai vu ça, puis je me suis dit, moi, je ne peux pas travailler dans des groupes comme ça. Puis ça doit être, ça doit être de plus en plus compliqué parce que c'est des. C des les, les entreprises ont envie de. Ils, ils essayent de trouver des façons de garder leurs employés. Puis faut que tu montres que tu es de ton époque. faut que tu montres que tu es cool, que tu es... C'est très so, cool ça. Ouais, so, so, je m... pourrais même pas imaginer. Euh... Moi, j'ai entendu des histoires, mais je peux, <laughs> peux pas les raconter. Je peux, <laughs> peux, peux, peux pas raconter. Je sais même pas quoi penser de ça. C'est trop fort. Comme on traverse vraiment une période où... Dans, dans 100 ans, ils vont regarder en arrière et ils vont être comme, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, la, 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 la technologie... T'sais souvent les grands changements sociaux sont, sont directement reliés à des, euh, des, euh, des impacts technologiques. Ouais. Chaque, chaque fois qu'il y a comme vraiment une, une, un grand changement social euh, Il y a quelque chose que l'humain a inventé qui fait que everything is like disrupted. Puis On vit ça maintenant On le vit c'est vraiment genre euh, les, les réseaux sociaux c'est pas le bon mot. C'est pas, 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 pas un réseau social. C'est vraiment plus. C'est comme si le, le terme qu'on lui avait donné, ça. inconsciemment, ça nous encourageait. d'être là. D'être là. On doit de... être oui, parce qu'on est des animaux sociaux, tu sais. C'est bon d'être social. Puis je trouve que réseau et social, ensemble, c'est comme un encouragement de quelque chose de positif. Mais la réalité, c'est que. C'est beaucoup, beaucoup plus Toxique, sombre. Que... ouais, ouais C'est très sombre. Comme, comme tu es exposé toute la journée au, au pire de toi, à quelque part. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont vraiment bons pour, euh, pour euh, soit pas y aller ou, ou juste être bien dans leur peau. Mais... Les réseaux spécifiquement sont mauvais pour à peu près tout le monde. Mais tu sais, c'est qui qui souffre comme le pire? Euh, les jeunes femmes. Ça, c'est des, des stats qui, euh, ouais, qui révèlent ouais. ça. Moi, je lis tout ça. Pour les, les, les hommes, c'est plus... Les jeunes hommes, c'est plus la pornographie qui les, qui les fuck, mentalement. Ouais. L'accès L'accès. Ouais. c'est vite. Mais pour les, les femmes, c'est parce que ça, ça monte beaucoup de ça, c'est la femme parfaite, whatever. Puis c'est des gens qui n'existent pas. Alors, tu as des jeunes filles qui essayent de ressembler ou de faire semblable que, quelque chose qui n'existe même pas. Ouais. Alors, dans leur cerveau, ils sont comme, « Oh, je suis jamais assez belle, ouais, assez, ouais, tout ouais, ça. Ouais. » Puis c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. T'sais, elles sont belles mais elle ne voit pas ça à cause de qu ce qu'ils voient sur l'internet parce que les gars sont un peu plus différents on voit on n'a pas ouais, mais, dans elle, la société ouais mais c'est même pas juste ils nous ont pas comme mis dans eh, tu dois être beau tu dois c'est pas la même affaire comme les femmes les femmes on les fuck mentalement puis c'est comme si on ne discute pas assez pour leur dire c'est pas vrai ça ça c'est du bullshit puis puis on pourrait aussi leur, leur, leur dire que tu sais mettons nous quand on était quand on était au secondaire là il y avait les quatre personnes les plus belles de l'école. Ouais, puis tout le monde d'autre, on était dégueulasse On était toutes laids. Ouais. <laughs> puis c'était. Oui, C'est normal. On, 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 on faisait un effort pour look good. Moins laids, mais on était laids. avais quatre personnes dans l'école il pouvait faire. Ils... Ils pouvaient... Ils pouvaient... Tout le monde voulait. Il y avait une file pour les embrasser. Ouais, <laughs> ouais. ça, comme gars et filles. Il, ouais, toujours... ouais. il, a... il y a toujours, toujours 4-5 gars dans, dans... dans un... un endroit. Comme si on les a sortis d'une film. Exactement. Ouais, que ouais. le bon Dieu a dit Toi, les gens, ils vont être mélangés quand ils vont être devant toi, tellement t'es beau. Ouais, ouais. Ils ne vont pas savoir comment se tenir. Ils vont pas savoir. Ça existe, ça. Pis ça ce que ça ce que ça faisait c'est comme on acceptait qu'il y a des gens <laughs> qui sont fucking beaux, puis on acceptait que nous c'était pas ça nos qualités. <laughs> je te jure, moi je me rappelle la journée dans ma vie où est-ce qu'on était comme ben nous on n'est pas beaux mais mais la bonne nouvelle c'est qu'on est drôle. On est drôle mais la, la, la bonne nouvelle c'est qu'il y a d'autres gens qui sont pas dans cette élite esthétique puis que eux aussi ils sont fucking down avec euh, d'autres qualités c'est comme si c'est comme si euh, je sais pas c'est c'est comme s'il n'y avait pas un équilibre entre exposer de la, de, de la beauté du succès de l'excellence et euh, des discussions entre, entre, entre individus qui font mais ça c'est pas la réalité tu sais ça c'est pas tout le monde qui a ça c'est comme, comme dans tout dans la vie la, la, la vie est, est inégale Ouais. Il n'y a rien, rien d'égal. Tout, est, tout est, euh, euh, est distribué de manière totalement aléatoire. Puis tu dois aller chercher le plus que tu peux avec les ouais. aptitudes que tu as. C'est bon que tu as mentionné ça parce que il y a beaucoup de, de discussions à propos de l'égalité, puis c'est quoi, puis l'equity, le puis l'égalité ouais, sur ouais, l'outcome. Ouais. Ouais, ouais. Il y a quelque chose que moi je trouve fou. Parce que c'est comme, moi, puis toi, on va dire, toi, tu joues du basket toute ta vie, puis tu es très bon. Moi, j'ai jamais joué. Et c'est comme, les deux, vous allez jouer les mêmes minutes dans le jeu, les deux, vous devrez scorer les mêmes... C'est impossible. Si tu promets ça, tu détruis tout. C'est absurde. Puis jaillit ça parce que là, tu fais quelqu'un, on va dire que moi, j'ai pas le même accès que toi parce que toi, tu joues au basket, on va dire, tu es très bon, aux mêmes équipes. Donc, ouais. Il ne veut pas m'engager parce que moi, je ne suis pas assez bon. Ouais. Au lieu d'accepter qu'il ne il, il veut pas de moi parce que je ne suis pas assez bon au basket parce que moi, je n'ai jamais joué, je veux trouver d'autres excuses. Oh c'est à cause que je suis grec. C'est à, ouais, ouais, ouais. à cause que je suis ça. Puis c'est absurde. C'est absurde. J'ai ça. J'ai qu'on fait ça. Tu ne peux pas promettre à quelqu'un qu'il va avoir le même outcome que quelqu'un d'autre. So, moi, j'ai traversé une période euh, il y a quelques années où je pensais, euh, je pensais que, euh, par exemple, j'avais. J'avais identifié dans mon esprit qu'au Québec, à la télévision, il y avait un manque euh, de gens qui me ressemblent. Puis je trouvais ça anormal. Puis quand on m'a demandé mon opinion dessus, j'en ai parlé. Puis ça a été, euh, ça a été comme un, un, un raz-de-marée de, de messages, puis de share, puis de tout pour me dire bravo, waouh, t'as raison. Wow, raison. Puis comme quatre ans plus tard, je comme mon je, je reprends ce que j'ai dit. Je reprends ce que j'ai dit parce Mais il y en a trop? Non, <laughs> c'est pas qu'il y en a trop, c'est que c'est que ce que j'avais mal analysé. Puis c est, c est ça, en vieillissant, moi je réalise que quand tu donnes ton opinion, c'est dans Il y a quelque chose de fondamentalement dangereux dans une opinion parce que c'est comme si tu dévoilais aux gens où tu as arrêté de réfléchir. Alors qu'on pense que c'est comme si on disait la vérité. Mais non, c'est un aveu un de médiocrité. C'est là que j'ai arrêté de réfléchir. So, je continue ma réflexion, mais là, dans le temps s'inscrit quelque chose que j'ai dit que c'était le mieux que je pouvais réfléchir à ce moment-là. Mais moi, j'ai poursuivi ma réflexion. Puis ma réflexion aujourd'hui, c'est, puis nouvel aveu de médiocrité, ça, c'est où j'ai arrêté de réfléchir, c'est que. Quand tu dis il manque de X, Y, Z, tu es en train d'ouvrir la porte à ce que des gens dans le gouvernement commencent à dicter certains codes, certaines règles, certaines lois, et il n'y a rien certains que je trouve tôt. plus incompétent que des gens dans, le, dans, dans la politique. So, quand j'ai caché ça dans ma tête, que c'était extrêmement naïf de ma part de penser que la solution à un problème qui était réel pour moi, t'sais? moi j'ai projeté sur la société dans le fond que j'aurais aimé ça, me, me voir ou voir quelqu'un qui me ressemble ou mon histoire, une histoire qui ressemble, des quartiers comme les miens, tout ça. Personnellement, j'aurais aimé ça, mais je préfère pas donner la responsabilité à un politicien incompétent de mettre des... Coche puis des cases dans un document. Puis je, je l'ai appris à, 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 à la dure, dans le sens que j'ai dû me regarder dans le miroir puis faire fuck. J'avais pas assez réfléchi encore, mais je m'en veux pas parce que c'est ça le travail public aussi. C'est comme on fait de notre mieux, on dit qu ce qu'on pense, puis des fois tout le monde nous félicite, nous encourage. Ça veut dire que moi, c'est le contraire. Quand je donne mon opinion, tout le monde est fâché. <laughs> Ça m'est arrivé, arrivé aussi. Les deux me sont arrivés. Mais j'aime cet exemple-là parce qu'il y a quelque chose de weird quand tout le monde t'encourage. Mais quatre ans plus tard, tu dis, ouais, mais j'avais tort. Ouais. Ça veut dire que euh, mon, mon évaluation était pas, était pas correcte, n'était pas assez précise. T'sais. Moi, je me trouve là beaucoup. Où je, je pense quelque chose, puis après, avec du recul, où je vois, puis j'étais comme, mais ben non, on doit changer, parce que là, je pense que ça, parce qu'on a vu qu'est-ce que ça donne. Ça m'arrive beaucoup. ouais C'est juste, mais je, je, je l'ai jamais verbalisé comme toi, puis c'est fascinant comment tu le. sais que ça, c'était la fin de ta réflexion. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est vraiment ça. Je l'ai jamais vu maintenant. comme ça. Maintenant, je le vois comme ça, puis je trouve que c'est comme, euh, est comme le, le, le bon Dieu, euh, il, à tous les jours, il trouve une façon de me fucking de me humble puis de me ramener les deux pieds sur terre puis de faire comme comme t'as pas la vérité personne a la vérité c'est ça qui est fucking triste quand quand quand, quand 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 tu penses que tu penses que ça existe la vérité mais en réalité c'est juste un processus c'est une recherche tu es toujours en train de chercher comment approfondir comme science comme une science exact c'est comme c'est c'est mystérieux la vérité c'est oui ça existe mais c'est un effort comme, tu pas arrivé quelque part, puis genre, that's it, là, ça bouge plus, so, 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 tu les, les Surtout, les, les, toutes mes réflexions en ce moment me, me, me mènent à « concentre-toi sur toi, fais tes affaires, puis arrête de, arrête d'en vouloir à la société, puis arrête d'en vouloir au monde, puis arrête de regarder qu'est-ce que les autres y font, juste fais tes fucking affaires, puis ferme ta fucking gueule. » C'est ça, je suis très dur avec moi en ce moment dans ma vie, comme ça, là. Ferme ta fucking gueule. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait le, le plus que tu pouvais faire? Non, est-ce que tu te laisses? Fais-le. Mais, <laughs> mais moi, je pense toujours comme ça. Puis c'est pour ça que jaillit euh, trop de gouvernement. Ouais. Moi, je suis un gars qui veut moins de gouvernement, moins d'impôts. Laisse-nous travailler, garder notre argent, puis on peut décider. Mais c'est très difficile d'expliquer ça au monde, au Canada parce qu'on est habitué au, à notre manière d'avoir socialisme. Tu sais, ouais. C'est un peu dans le milieu. Ouais. Alors, c'est comme, c'est dans notre tête, on ne peut pas survivre si le gouvernement ne nous aide pas, ne nous donne pas quelque chose. Ouais. Mais ce n'est pas la vérité. Tout ce qui a été créé, ce pas par des gouvernements. Le gouvernement canadien est nouveau. Tout ce qui a été créé dans le monde, c'est par des personnes. T les bonnes choses sont par des... Les, les, les gouvernements font rien. On va dire nos politiciens, euh, ici, avec les rues et tout ça. Tout le monde dit, ben, on doit donner de l'argent pour que le gouvernement. Ce pas le gouvernement qui va fixer les rues. C'est une compagnie privée qui va engager. Valérie Plante, elle fait rien de ça. Ce pas elle. C'est ça qu'on ne mmh. comprend pas. Mmh. Mais on rentre ces middlemen. Puis même, je vais dire quelque chose maintenant qui, qui énervé cette semaine. Apparemment, Valérie Plante vient de sortir et elle dit, on ne peut pas dire bonjour, hi, euh, dans des commerces à Montréal parce que ça, ça va détruire la langue et tout ça. Je pas... Puis là, je parle à tout le monde au Québec. Elle, puis tous les politiciens qui vous disent ça, vous mentent. Le « bonjour, hi » quand tu rentres, c'est parce que tu ne sais pas si la personne est anglais, français, puis on a beaucoup de touristes à Montréal. Ça n'a rien à faire, ça affecte pas la culture. La raison pour laquelle elle dit ça maintenant, c'est parce qu'elle a détruit la ville. Elle a détruit la ville, euh, on a plus d'argent, les commerces se sont fermés, elle a fait beaucoup d'erreurs. Alors maintenant, elle, elle essaye partout « où est-ce que je vais chercher des votes, du support ?» Je vais chercher des votes. Mais est-ce que tu penses qu'elle le sait, elle Oui, elle, elle sait qu'est-ce qu'elle que, fait. Est-ce que tu penses que les politiciens C'est pour ça qu'elle a changé. Quand ils blâment, mettons les immigrants. Les immigrants ouais. Est-ce que, est-ce que tu penses qu'ils savent que ils sont en train de jouer dans le, le ressentiment d'une tranche de la population, ou est-ce que tu penses qu'ils se croient Ok, il y a certaines qui se croient. Okay. Puis ils pensent que ça c'est le bon affaire. Puis eux, j'aime discuter avec eux plus. Ceux qui, se, ceux qui se croient. Ouais, parce qu'au moins ils sont honnêtes, puis je ouais. sais t'es qui. Ouais, ouais, ouais. Même ouais. si t'es un nazi, ouais. si tu me dis que t'es un nazi, ouais. je peux parler avec toi parce qu'au moins je sais t'es où, puis j'ai un débat. Mais quand t'es sketch, puis je suis pas trop sûr, t'es un peu un serpent, ouais. là ça devient compliqué. Puis elle, maintenant, ce qu'elle fait, ça m'énerve parce qu'elle a pas dit ça pendant des années, c'était pas ça son mandat, c'était ouais. les bicyclettes, la a fucké la, la ville est détruite, là elle est comme, oh shit, qu'est-ce que je fais? Problème, c'est le high. Le pro ce n'est pas ça, c'est pas ça qui va garder une culture. Ça. So c'est ouais. du succès. Ouais. Puis c'est euh, de, de faire des choses pour lesquelles, on, à l'international, on va être reconnu. Avant le Québec, on avait plein de films, euh, on va dire, américains qui venaient ici. Le monde parlait de nous. Ils ne viennent plus, là. Il, bien sûr, ils ne viennent plus. Les taxes sont trop hauts. On n'a rien à leur offrir. Même, même chose avec les jeux vidéo. On donnait des subventions pour que toutes les compagnies venaient ici. Alors, on a engagé du monde montréalais, des Québécois. On faisait partie du monde international. Maintenant, non, parce qu'on veut s'enfermer. On a moins, puis là, on blâme que c'est à cause du déclin. C'est nous, on a fait ça à nous-mêmes. On a voté pour des personnes qui sont incompétentes. On a détruit une place qui est fantastique. Mais le moi, Québec je, a tout. Moi, je l'amène encore. Je l'amène un, un pas euh, plus Non, derrière. Ouais. Un pas en arrière de, avant de dire qu'ils sont, ils sont incompétents, parce que je, je suis tombé sur la, la quote de l'auteur de Dune. Euh, le, oublié, gars qui a écrit les, le, le gars ouais, qui a écrit les livres, OK? Euh, parce que là, il y a le nouveau Dune qui est sorti, puis là, tout le monde, euh, tout le monde replante. Parce qu'à ce qui paraît, je n'ai pas envie, encore le 2, je vais aller le voir. Mais moi aussi, je vais voir le 2. À ce qui paraît, il y a beaucoup de choses qui, sont, euh, qui font écho à ce qu'on traverse en ce moment. Puis il y a une quote de ce, cet homme-là qui est, je vais la, la foquer, mais il dit c'est pas tant que le pouvoir corrompt, qu c'est que. Euh, Inévitablement, les positions de pouvoir attirent des gens corruptibles. Ça c'est bien dit. Bon, c'est pas la même c'est pas c'est pas la même chose c'est pas la même chose parce que, parce que tu peux avoir beaucoup de pouvoir et comme mettons je sais pas comment je sais pas comment expliquer comme sans, sans tomber dans dans quelque chose de trop caricatural mais quelqu'un peut avoir beaucoup de pouvoir et beaucoup d'intégrité ouais. et ne pas vouloir aller dans la politique. Tu comprends ce que je ouais. veux dire? Puis on le voit, il on le voit. Il y a, on, on voit, il y a beaucoup de gens qui ont la possibilité d'y aller, mais ils sont comme non, parce que dès que tu analyses un peu ce jeu-là, c'est un jeu. C'est un, un jeu où il faut, pour thrive dans ce monde-là, il faut développer des traits psychopathes. Il y a une livre pour ça. C'est vrai? Yeah, « The Psychopath Test ». C'est vrai? Oui, oui. Et, et Poseidon, si tu veux juste le résumer, le sortir un peu. Euh, je lis le livre. Si je, je, je l'ai ici, je vais te donner. C'est très, très bon. C'est un gars qui a analysé tout ça, puis on fait des tests avec les top CEO au monde. OK. Puis c'est un haut niveau que c'est des psychopathes. <laughs> puis pour atteindre ce niveau-là, tu dois être une, une psychopathe. C'est fou. Qu'est-ce ben, qu que tu, tu dis? C'est vrai. Il faut que tu thrives à, à être en mesure de… de, de... Euh, je ne sais pas si je dis n'importe quoi, mais il me semble que un des, des traits importants, mettons, chez les psychopathes, c'est... Les gens pensent que les psychopathes, c'est des gens qui tuent... C'est pas, pas ça... L'essence... C'est les pas ça. L'essence, les c'est qu'ils sont, en général, ils sont très confortables à prioriser des short-term gains plutôt que des long-term gains en relation humaine. Puis ils sont prêts à... De, de, Qu'est-ce que c'est dans le livre? C'est parce que il, il, dans le monde corporate, ouais. il peut te détruire comme ouais. juste parce qu'eux, ils veulent faire une petite étape. Ouais. puis c'est comme ça qu'il atteint, parce qu'il détruit tout le monde avec des manières ouais, vraiment ouais, ouais. sneaky. Puis, parce que c'est pas important pour lui de, de développer une relation humaine à long terme avec pas du toi. Sans so, faute de toi. So, so, mais toi, tu es, 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 es brought-up. Depuis que tu es né, tout le monde. Le faire ça. Tout le monde te dit qu'il faut que tu te comportes d'une façon que tu aies des, des relations. On est des animaux sociaux, on le disait au début, so. Tout le monde est wired à se comporter d'une façon Moi je veux me comporter avec toi d'une façon que tu as envie de me réinviter Exactement, que ouais. tu as envie qu'on on chill la prochaine fois qu'on se voit dans un comedy club je... moi ça me rend heureux ça puis dans... dans 10 ans je vais être comme ça fait fucking 12 ans 13 ans je connais euh, c'est fucking nice tu sais ça c'est des choses qui m'amènent beaucoup qui m'apportent du bonheur dans ma vie mais quelqu'un quelqu'un qui a qui a pas ça il va thrive dans un environnement où est-ce qu'il peut juste fucking prendre qu ce qu'il a besoin constamment pour s'assurer une position de pouvoir. Puis il y en a beaucoup dans le milieu artistique, des gens comme ça. Il y en a énormément, là. C'est un milieu très politique, le milieu artistique, surtout, surtout au Québec, parce que c'est un milieu... C'est petit, euh, quand même. C'est petit, et c'est pas, pas que... Il <laughs> faut que je fasse attention quand je dis ces choses-là. Il faut que je fasse attention. Je... <laughs> je vais, je vais euh, tourner ma langue cette fois, mais je vais regarder. Euh, ouais, je ouais, <laughs> si tu veux, parce qu'au euh, lieu de le lire en anglais, tu peux le highlighter puis au moins faire une traduction ou changer la langue sur la page, euh, uh, ouais, le mettre en, ça, français, ça. Le uh, en français puis tu peux le lire en français. Non, mais en anglais, c'est parfait. D'ailleurs, le... la prochaine fois que je viens, il faut que je vienne en non, anglais. Non, pas pour toi. Toi, tu comprends, mais c'est sûr que le FrenchCast, il y a certaines personnes peut-être ah, en oui, France qui écoutent ça. OK. Um... Aha. cute. Mais ben je veux me, je veux, je veux me le pogner, moi ce livre-là. Oh, oh, ça fait des années que j'avais lu ça, puis j'étais comme ok ça, ça explique beaucoup. <coughs> Ronson rend visite à de prétendus psychopathes ainsi qu'aux psychologues et psychiatres qui les ont étudiés. En particulier, les psychologue canadiens Robert D. Robert d. Hare, l'auteur éponyme de la Hare Psychopathy Checklist, un test de 20 parties administrées pour détecter la psychopathie. Ronson explore l'idée selon laquelle de nombreux dirigeants d'entreprises et gouvernementaux sont des psychopathes dont les actions envers les autres ne peuvent être expliquées qu'en tenant compte euh, de ce fait. Mm. Et il utilise en privé le test de Hare pour déterminer s'il peut discerner une part euh, une part de vérité c'est it, it's such a good book bro c'est très bon, bon mais c'est sûr je le lis puis ça, ça résonne avec ce qu'on dit parce que moi j'ai moi je, je, je pense pas que je pense pas tant que on a des mauvais politiciens autant que je pense que le, les individus la société ont on ne s'éduque pas assez. On ne fait pas assez le choix de lire. On ne on fait, on fait pas peur. On ne on fait pas peur à ces gens-là. On leur fait pas peur. Puis moi, dans ma tête, ça fait pas de sens parce qu'il n'y a, a jamais eu autant d'informations. Si tu n'aimes pas lire, tu peux... Audiobook. Si t'aimes pas audiobook, tu peux checker des documentaires de 7 minutes. Y euh, si t'aimes pas les documentaires de 7 minutes, il y a des fucking clips de 30 secondes qui t'expliquent des choses vraiment deep de la vie. T tout le monde peut... Tout le monde peut... Euh, euh, acquérir du savoir puis devenir intransigeant face à la médiocrité politique. Pis ça veut pas dire que on va changer le monde. Ça veut juste dire comme L'opinion publique va être féroce par rapport à des choses absurdes qui se Comme passent. Comme ça devrait être. Comme ça devrait être. Mais là, il y a vraiment il y a un, 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 une demande de, de... divertissez-moi. Je veux oublier la vie. Il y a des gens qui disent, disent ça. Ils disent, euh, ils disent euh, euh, Moi, j'aime ça euh, j'aime ça tirer la plug quand je vais à un spectacle puis moi moi dans la tête je suis comme moi je veux pas te tirer ta plug moi ça m'intéresse pas parce que moi c'est pas ça que je fais pour moi ça so, je veux pas le faire pour toi si tu veux tirer la plug va voir quelqu'un d'autre ouais. moi je veux brancher la plug et je veux fucking jouer avec le, <laughs> le panneau électrique fucking tous les breakers puis voir il est où le problème là? Euh... moi c'est ça, ça qui m'intéresse So je trouve que je trouve que le, la faute je, je la mets sur moi avant de la mettre sur eux parce que eux je peux rien changer puis ils, 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 ils se rendent où est-ce qu'ils se rendent parce que parce que je trouve que moi j'en fais pas assez moi je suis pas assez féroce moi tant d'individus ou tu veux dire en société comme parce que le grand moi tout le monde le grand moi, mais moi je inclus me moi. on fait pas c'est ça on fait pas assez puis moi j'étais fâché quand je parlais de Valérie Plante juste parce que j'ai vu ça puis j'étais comme on ne peut pas dans une société, mm -hmm. on voit que les commerces sont fermés. Il y a des crackheads partout au centre-ville. Des tentes, le monde n'a pas d'argent. Les impôts sont trop hauts, tout ça. Puis, tu as quelqu'un qui dit Ah oh ouais, le problème ici, c'est que Burger King ne veut pas se renommer à roi du burger. <laughs> c'est impossible que tu crois que c'est ça qui détruit le Québec. C'est impossible que tu crois ça. C'est fou, c'est absurde. Le meilleur exemple. Alors je vois ça, puis je comme, on, on peut pas, on, on parle pas la même langue si tu dis ça. Parce que moi je vois clairement ils sont où les problèmes. Moi j'y crois pas trop. J'ai de la difficulté à me situer dans le débat de, de la langue parce que. Moi je veux, moi je veux que le français c'est. Moi je pense que le français peut grandir, en plus en Amérique du Nord. Moi je pense que le Québec, bien sûr, on a euh, le potentiel. Avec les ressources naturelles, avec notre édu euh, nos mains de. Les le gens ici sont hyper actifs. Ils aiment la culture, ils aiment les arts. On a beaucoup à offrir. Mais à cause que nos dirigeants sont comme ça, sont, on peut dire psychopathes, euh, incompétents, whatever, on reste toujours moins que. Puis cette mentalité, quand je parle à, à des gens, je le vois dans eux comme. Il y a des Québécois qui se pensent qu'on est moins que, on est moins que le reste du Canada, moins que les Américains. Puis ce n'est pas vrai. Puis c'est difficile de le shaker puis de leur dire, « Hey, yo, c'est pas vrai ça. On n'est pas une subclasse Non. « On est au même niveau et puis à certaines choses, même plus haut. Ouais. Réveille-toi. ouais Let's fucking go. » Moi, je suis d'accord. Moi, je suis fucking d'accord avec ça. Mais c'est un vieux... Euh, comme tous les... Ah oh, man, c'est tellement tricky. Comme là, là j'ai on est dans une discussion où est-ce que une phrase sur deux, je suis comme... Est-ce que je dis le fond de ma pensée ou est-ce que je dis la surface <laughs> de ma pensée? Parce que c'est deux implications différentes. À, à, parce qu'aujourd'hui, je sais que quand tu parles, il y a une chance sur deux que quelqu'un te réécrive après pour vouloir en discuter. Puis je sais pas si j'ai. Euh, j'ai toujours envie d'avoir de, des discussions, mais je, je veux quand même aller dans le fond de ma pensée. Tout. C'est vraiment difficile pour tous les peuples du monde. Si tu regardes, il y a tellement d'histoires basées sur, euh, sur les, les là où les peuples ont été lésés, où ils ont ouais. été comme victimes de quelque chose. Puis c'est difficile de se sortir de cette mentalité-là. Tu regardes partout sur Terre. Il y, a, il y a toujours quelque chose quelque part, une fête. Une identité qui est basée autour des blessures. Puis les humains ont fait ça. On crée notre identité autour de qu ce qui nous a détruits. Puis c'est vraiment difficile, juste au niveau individuel, de convaincre quelqu'un de faire les efforts de travailler pour guérir ta blessure. Là, puis prends conscience que tu peux construire ce que tu veux. L'avenir est devant toi, puis tu as des outils, tu as tes mains. Mais. C'est tough. T a, t a, tu connais sûrement des gens qui sont coincés dans le, les mêmes blessures que quand ils avaient 12 ans, 14 ans, 17 ans, sont rendus à fucking 45, puis ils ont la même... Ils la traînent encore, puis c'est leur identité. Malheureusement, fin, ouais Puis je pense pas que tous les Québécois sont comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui... C'est pas juste les Québécois. Je c'est des Grecs comme ça. Exact. Puis je connais des Marocains comme ça, puis je connais des Irakiens comme ça, puis je connais des Algériens comme ça. Je connais... Il y en a beaucoup de ça. Euh... C'est comme, on dirait, c'est une tentation de, de l'individu, mais c'est aussi des tentations des sociétés parce que les sociétés sont composées d'individus. So, c'est difficile de vendre l'idée aux gens que l'avenir appartient à ceux qui le construisent puis ceux qui, qui, qui ont la foi que les choses vont s'améliorer. C'est pas sexy. C'est plus, plus facile de dire... Euh, un immigrant va venir, puis il va faire ci, puis j'en viens pas parce que personnellement, il n'y a aucun politicien qui veut protéger la langue que je considère qu'il maîtrise mieux la langue que moi. Oh. Personnellement, ça c'est mon jugement à moi, c'est mon jugement de valeur ouais. à moi. Moi, quand j'écoute François Legault, je trouve son français est désastreux. Vraiment, ouais. je je trouve, je trouve pas que c'est quelqu'un qui devrait donner des, des leçons de, de français à qui que ce soit. Mais moi, je passe pas mon temps à corriger les gens sur le français ou sur leur anglais ou sur whatever. Moi, je le critique lui parce que lui, il critique moi. Lui, il critique mon père puis ma mère puis les gens qui viennent ici. Mais je l'ai jamais vu prendre une tribune pour dire Adib, cette année, il a sorti trois œuvres québécoises qui font le tour du monde, qui, qui, ont été, qui ont été vus dans telle place, dans telle place, sa musique est écoutée en Corée en ce moment. J'ai des fois une redevance de la Corée qui vient dans, dans mon compte de banque. C'est comme, tu tu, tu tu pourquoi tu m'utilises pas moi pour dire au monde, mon père il parlait même pas français moi. Puis regarde qu'est-ce que son fils fait regarde avec que son, le français. Regarde ce que son fils fait puis mon père il voulait que j'apprenne le français parce que lui il pouvait il, 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 il se trouvait pas il, il était pas capable de le maîtriser ouais so, quand t'es plus âgé c'est difficile ouais, bon, so, hein? il a il, il a consacré ses efforts à, à m'encourager moi puis moi je fais rayonner la culture québécoise puis il n'y en a pas un de ces esti là qui me mentionne probablement parce que haïssent les arabes ou whatever là, comme ils ont vraiment l'air d'avoir un problème avec, euh, avec ça so. tu, euh, qui, le go, tu penses spécifiquement les arabes mais moi je, je pense que... que le go, il fait une fixation euh, anti musulmane je pense que dans sa tête il, il se voit comme il se voit genre, euh, il y la France, puis euh, il va se passer en France, qu'est-ce qui se passe ici. Mais je pense que. Mais non, qu c'est différent pas, parce que la France. Il n'est pas assez futé, parce que c'est pas. Clair, pour moi, c'est clairement pas un homme intelligent, OK? Non. Parce qu'il ne fait pas des analyses qui me font réfléchir. Il propose des idées qui, sont, qui peuvent être véhiculées par à peu près n'importe qui dans la société. Mais tu occupes un rôle qui est d'une importance. Euh, Capital, c'est-à-dire ouais. que tu, tu as accès à des documents, à écrire des documents, des lois qui vont influencer le comportement de millions d'individus. Donc, quand tu, quand tu me proposes une évaluation de la société et de la nature humaine, j'ai besoin, moi, pour me sentir en confiance, de sentir que tu as lu plus que moi, que tu as étudié plus que moi, que tu as parlé à plus de gens que moi pour m'offrir un point de vue qui stimule ma réflexion c'est pas moi qui est supposé stimuler la réflexion euh, d'un politicien mais je veux pas manquer de respect aux gens puis je veux pas dire que ils sont pas intelligents je fais juste dire que considérant les postes qu'ils occupent ils sont censés m'éblouir avec des points de vue qui me font réfléchir puis blâme... pas ça qu'on veut non puis blâmer des immigrants blâmer des immigrants je trouve que c'est comme c'est pour moi c'est aussi grave que Blâmer les personnes âgées. C'est comme qu'est-ce que ça dit sur ta société? Non, blâme-toi. Regarde-toi dans le miroir. Qu qu'est-ce qu que toi, t'aurais qu pu faire? Toi, t'occupes une, une place de pouvoir. Tu peux souffler dans les voiles de la démocratie, tu peux, tu peux, tu peux encourager les gens, tu peux les influencer. Moi, je trouve que c'est. Moi, je trouve que c'est grave de faire ça. Puis, 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 puis je suis ouvert sur l'idée que il faut. Moi, je suis pas un gars fermé. Je, je, suis, pas... je suis ouvert sur l'idée euh, qu'il faut pouvoir intégrer euh, les immigrants, qu'il faut pouvoir avoir des places, mais il manque pas de logement à cause des immigrants. Non, non, les le, immigrants ils vont le... vivre dans le hood. Il y a non, aucun, non, non, non. aucun blanc va aller vivre dans le hood. Là. La, la crise du logement était avant euh, les dernières deux années, on avait toujours une crise. Oui, ça augmente quand on rentre Ça, ça n'aide pas quand on rentre tout le monde puis on check pas. C'est vrai ça, mais c'est pas c'est pas comme si on avait tous les logements, tout était des, des bonnes prix puis après un an on a, a, avait des immigrants plus de naturel. Puis là on tout le pays est fucké puis il y a des places où il n'y a pas d'immigrants. Puis c'est encore foqué. Alors, ce n'est pas, pas à cause qu'on a eu des immigrants, plus d'immigrants les dernières années, qu'on a eu un problème de logement. Ça, évidemment, ça aide pas, mais le, pro le problème existe parce qu'on a des lois les dernières 15 ou 20 ans que c'est difficile de créer de nouveaux meu des meubles. Euh, ils ont mis plein, C'est partout au Canada. Alors, il y a plein, plein de raisons. Alors, quand quelqu'un résume ça, puis il dit, hey, c'est à cause de l'année passée, on a eu trop d'immigrants, c'est juste pour ça. C'est juste une excuse, puis tu ne veux pas parler du, des vrais problèmes. Puis on sait qu'il y a des vrais faits. On voit ça même en Ontario. Ontario est plus grand que nous, le Toronto est plus grand. Ils ont les mêmes problèmes. Même s'ils ont des gens qui partent Toronto, ils disent je ne peux plus ici, même à ça, il n'y a, y a pas assez de logements. Parce qu'on ne crée pas. La population grandit vite. On ne crée pas. On met plein de blocs sur des compagnies pour qu'ils ne puissent pas créer ça. Puis après, on dit shit, il y a une crise de logement on peut alors c'est plein plein de raisons c'est pas moi je le vois comme un mépris de la classe populaire moi c'est comme ça que je le vois moi je, moi, je pense que la première chose que euh, la première chose que le, le, les, les, les classes plus fortunées font quand ils héritent d'un monde qu'ils n'ont pas construit puis qu'ils mmh. n'ont pas les, les compétences de construire donc ils ont la richesse mais pas la compétence qui fait que tu peux générer la richesse ils sont dépassés, puis ils regardent en arrière, puis ils disent, oui, mais avant, les gens qui ont construit ce pays-là, ils ne pensaient pas comme toi. Premièrement, avant les gens qui ont construit ce pays-là, ils, ouais. ont... qui... qu pays ils croyaient en Dieu, by the way. Okay? Avec toutes les fautes que ça peut avoir, avec toutes les fautes qu'ils ont faites dans l'institutionnalisation les... dans institu... de l'Église et de l'État et tout ça, fine, mais c'est quand même, ça reste des gens qui avaient en haut deux comme valeur principale. Que, que Quand tu te comportes d'une certaine façon, il y a un jugement qui t'est réservé après ta, après, ta, après ta vie. Quand tu vas mourir. So, Alors, ils d'une manière différente. C'est différent. Puis je ne te parle pas des institutions, je te parle des individus. Ouais. Je ne te parle pas des prêtres, je te parle des individus. Je ne te parle pas de, de, de gens qui coercent les autres à faire des choses. Moi, je te parle juste le gars qui, ou la fille qui se réveille le matin puis qui check ses comportements parce qu'elle se dit. Il y, a, il, il y a un jugement qui est réservé aux individus après. Il faut que je fasse attention à comment je me comporte, puis il faut que je fasse attention les, comme comment... Avant, c'était important de trouver une façon d'enrichir les, les pauvres, de les faire sortir, de, le, de leur donner du travail. de les, euh, le, 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 le Québec, quand tu lis l'histoire du Québec, ils, ils ont fait venir des gens parce il y avait besoin de main d'œuvre parce ben, qu'on crée des choses, on faisait de quoi. Exactement, parce que c'est pas la classe intellectuelle bourgeoise qui va mettre les mains dans la terre puis travailler. C'est les gens qui, qui sont dans la misère. Puis ces gens-là, qui sont dans la misère, ils sont prêts à venir faire un travail sale, difficile... Pour sortir de la misère. À, pour sortir, avec l'espoir de sortir de la misère. Puis ça donne qu'il y en a beaucoup d'entre eux ils deviennent fucking riches. Le capitalisme. J'aime ça. Ça, c'est qu'est-ce qui fait que les immigrants viennent ici. Les immigrants, pour moi, c'est pas différent de les premières personnes qui sont arrivées ici pour mettre leurs mains dans la terre pour travailler. Moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être que j'ai tort, mais moi, comment je le perçois, c'est si tu veux créer un projet de société. Tu trouves les lieux communs entre les gens malgré leurs différences. Moi, je suis avec toi, mais ce n'est pas que tu as tort. La seule différence avec qu ce que tu dis qu et ce qui se passe maintenant, c'est le Canada au complet. C'est devenu, je ne sais pas si on a les données encore, c'est devenu le least productive nation mm -hmm. des G8. Okay. On ne produit pas. Comme, on produit rien. On ne produit pratiquement rien. Les jobs sont, tu travailles chez TD, Scotiabank, Bank, Telemarketing, on ne produit pas, on ne crée pas comme on crée avant. Euh, puis c'est pour beaucoup de pays, mais nous on a un grand problème parce que la population augmente vite les dernières années à cause de l'immigration et à cause de plein ouais. de raisons. Alors là, habituellement, quand tu recevais des immigrants, il y avait une opportunité. Ouais. Là, le problème, c'est ça. Il n'y a pas d'opportunité. Puis à cause qu'on parle pas assez de ça, c'est ça qui m'énerve. Alors on parle des immigrants, puis on dit, hey, les immigrants, c'est mauvais à cause de. On n'a pas assez de logements, on n'a pas assez de ça. Mais on ne parle pas de nous. Qu'est-ce qu'on a fait au Canada? Ouais qu'il n'y a plus de possibilité de grandir, même pour les jeunes, on va dire les jeunes québécois, les jeunes canadiens, eux, ils n'ont rien fait de mal, ils ont allé à l'école, ils sortent de l'école maintenant, ils ne trouvent pas de job. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'on a détruit le pays pour que même les gens qui sont cinquième génération, puis les nouveaux immigrants, ont la, les mêmes opportunités, puis les, les opportunités sont zéro. C'est ça le problème. Parce qu'avant, on avait d'opportunités. Alors, tu peux, tu sais, plein de gens venaient, les gens d'ici créer quelque chose. Tu viens, tu es pauvre, mais tu peux faire de l'argent, puis tu travailles, alors ta famille devient même, au moins classe moyenne, puis tu peux vivre, puis tout ça, c'est bon. Mais maintenant, on n'a pas d'opportunités. Ça, c'est un grand problème, puis on ne parle pas assez de ça. On parle juste de, ah, les immigrants, ah, les immigrants. Oui, mais c'est pas juste les immigrants. On n'a pas d'opportunité. Qui a foqué ça? Le, le Canada avait plein d'opportunités avant. Il so, y a plusieurs facteurs. Les immigrants, c'est le scapegoat. <coughs> je m'excuse, j'interromps. C'est juste, ça fait longtemps que je parle de ça, du monde. Euh, un, un des plus gros problèmes in the uh, housing crisis, ouais. c'est le red tape qui, qui ouais. contourne uh, new constructions. Pour, uh, tu peux pas créer comme je te ouais, disais. Ouais, les, ouais, ouais. So c'est so it's, it's government related. Exactement. Yeah. So, juste à Vancouver, je vais te donner un exemple. Uh, ça peut aller jusqu'à 50% du coût de la maison. Donc ça peut aller jusqu'à 644 000 je pour ouais. Just, Juste pour créer, juste pour ouais. avoir les permis. <laughs> juste pour avoir oh. les permis. Tu même pas, as même fou, pas encore hein? commencé la construction. Donc Mais il, créer des problèmes puis après il met la blâme ailleurs. C'est ça, ça, ça que c'est ça que qu on je disais. Regarde-toi dans le miroir ouais. parce qu'un un bon politicien, c'est un politicien qui dit on a trop de pouvoir. C'est ça un bon politicien. Ron Paul, hein Ça c'est Ron Paul. Non mais c'est mais... ça, ça qu'il disait. Ça... C'est ça que je, je l'aimais mais pas, je sais même pas c'est qui. Ron, Ron Paul, il Paul, est mais... américain, lui okay. est libertarian. Okay. Les démocrates puis les républicains lai, parce que lui il disait toujours la vérité. Il dit, on doit arrêter toutes les guerres, on n'a rien à faire. Tu sais, euh, euh, vous disiez pourquoi est-ce que les musulmans nous haïssent, c'est pas bon, on doit faire quelque chose. Mais après, on les bombardise pendant 30 ans. Ouais. Sortir de là, ça n'a rien à faire avec nous. Tu arrêtes de bombarder le monde. Euh, le Federal Reserve est trop grand, enlève ça. Le gouvernement est trop grand, on doit rapetisser ça. Vous n'avez rien à foutre dans les vies personnelles du monde. Lui, c'est lui. Alors, euh, tout le monde l'a ici. Tout le monde l'a ici. Parce que, est que, est, pas est le que, peuple, que le peuple l'aime. Le peuple est-ce que c'est mal être liber, libertarien? C'est perçu. Euh... C'est perçu mal par des politiciens. Mais quand tu parles aux gens, la majorité des les gens... gens sont libertariens. Ouais. Quand tu parles, la majorité du monde, québécois, américain, on le sont plus comme le Parce gouvernement. Que... je veux pas qu'ils rentre dans ma Parce vie que personnelle. Il y, y, y a quelques, mois, je suis tombé dans un rent à cause le, le milieu des arts au Québec Il il repose beaucoup sur les subventions, sauf ouais. le stand-up, ok. Puis quand, 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 tu commences à, à vouloir, quand, tu commences à vouloir, faire des projets qui, qui ont de l'envergure, tu rentres dans la game des subventions. Puis quand tu rentres dans la game des subventions, tu réalises c'est de la politique en fait. OK? C'est de la politique. Je sais pas comment le dire plus clair et, que ça. Je suis avec toi, puis j'ai des données. Genre, ouais. Je ne vais pas dire trop, mais so, pour ça une de quoi je parle. Il y avait so, un événement so, qui est arrivé récemment, puis j'étais furieux. Et, ok, mais je, je termine, puis je suis ah. très hâte d'entendre. Et quel est le milieu qui fonctionne le mieux artistiquement au Québec? C'est l'humour. Quel est le, le milieu qui a le moins d'intervention du gouvernement <laughs> L Umo. L Umo. Fait que Les gens, au, les gens au Québec, ils ont, ils ont littéralement le dernier mot sur qui gagne sa vie ou pas en Umo. Exactement. C'est eux qui ont le dernier mot. Euh, tous les autres domaines, il y a de la politique d'impliquer parce qu'il faut que tu attendes ton tour, il faut que tu coches les cases. Il faut, tout le monde parle de ça, mais personne parle de ça. Tout le monde sait ça. Dans, dans, tu, tu sais qu'il y a un problème dans la société quand c'est tabou et tu sens le resentment. Tout le monde, au téléphone, one-on-one, on one, vont, vont évacuer leur resentment par rapport à ces choses-là. Mais publiquement, c'est difficile d'adopter cette posture-là quand ton salaire dépend d'un système. Pour mm. so, moi, la bonne nouvelle, c'est que, un, j'ai passé plus de temps dans ma vie pauvre riche. Moi aussi. Okay. Moi je suis euh, pas riche. Moi non plus. <laughs> puis, alors, mais riche selon les standards euh, ouais, ouais, ça, de, standard, de, de où est-ce que je viens. Ouais, okay. Beaucoup plus pauvre. Ok, ouais. exact. So, alors ça veut dire que je suis très confortable d'être pauvre. Ouais, exactement. Tu peux pas me faire peur avec ça. Tu sais, il y a des gens mm. ils ont jamais connu ça, <laughs> fait que ça les terrorise. Ils pensent juste à ça. Moi je connais des millionnaires, ils pensent à, ah, ils vont manquer d'argent. Moi dans la tête je suis comme, ça c'est parce que t'as pas connu la pauvreté, parce que moi je l'ai connu, puis je suis très à l'aise avec ça. J'ai pas de problème avec. Honnêtement, de... j'ai les outils pour m'en sortir si je retourne là-dedans. So, à quelque part, je peux m'exprimer librement parce que j'ai pas peur que tu m'enlèves quoi que ce soit. Mais euh, c'est compliqué quand tu rentres dans les dans les domaines qui sont politisés de faire de l'art. Puis j'avais un rant avec, avec une, une, une collègue, puis elle me disait Tu, tu sonnes. C'est comme un libertarien, je savais même pas c'est quoi un libertarien, je sais comme. Puis c'est mauvais ça Je, 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 je l'ai pris comme si peut-être j'avais fait quelque chose de mal. j'étais comme je sais même comme j'avais jamais vraiment entendu euh, ce terme-là. Puis là tu m'en parles, puis je suis comme Est-ce que c'est euh, comment est-ce que c'est devenu tabou À quel moment c'est devenu tabou de dire que je veux être autonome je veux, oui, je, que trop de gouvernements qui s'impliquent, c'est un problème. C'est un problème. On veut pas que on veut on veut même pas que C ça fait pas de sens. On veut pas que le gouvernement s'implique dans l'avortement. Non. Parce que n'as on... rien à faire. Parce que on veut pas que le gouvernement ait quoi que ce soit à dire sur le droit d'une femme à exercer son libre arbitre. Ouais. Moi, so, je vais faire les abortements. Ouais. <rire> <rire> Mais tu comprends comme on... c'est logique, on dit ça, il n'y a pas de problème. Ouais. So applique ça à d'autres sphères. Mariage gay. Importante de la vie. Mariage gay. Pourquoi Je... est-ce que le gouvernement va décider qui peut se. C'est ben, rien, à foutre. Euh, oui. C'est toi qui vas décider. Exact. Ça, c'est personnel. Ça n'a rien à faire avec moi. C'est pas moi qui va décider. C'est pas toi. Ça, c'est absurde qu'on laisse ces gens-là rentrer et dire. Exact. Ça, ça pour moi, ça fait juste du sens. C'est tu observes la société puis tu réalises tout le monde est d'accord pour dire on est déçu par. Les dirigeants. Mais c'est ouais. une constante dans la société. Les gens sont toujours déçus. De temps en temps, tu as des politiciens ou des politiciennes qui, qui se démarquent puis qui, qui finissent avec des, euh, des CV très intéressants. De temps en temps. Une fois une ou fois dix ans, tu as quelqu'un qui sort du lot puis il y, y a plus de bonnes choses qu'il a fait que de mauvaises choses. De temps en temps. So, mais la plupart du temps, on est plutôt. Euh, déçu pour... j'utilise J'essaie oh. de rester poli, là, tu sais. Je sais même pas pourquoi j'essaie de rester poli. Je sais même pas pourquoi, mais la plupart du temps, on est déçu. So, si la plupart du temps, tu es déçu, mais que tu réalises que dans la société, il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire des choses parce qu'ils prennent des risques avec leur vie, puis ils, ils mettent leur nom sur la table, puis ils mettent leurs efforts sur la table, puis ils mettent leur, leur sueur sur la table, ben, tu veux qu'il y ait plus de l'attitude pour les individus à exercer leur libre arbitre je vois pas qu'est-ce qu'il y a de je comprends pas comment c'est devenu tabou de dire ça le système est brisé il y a quelque chose qui est arrivé ça fait quelques semaines de ça ou deux mois que bon j'étais fâché puis j'ai appelé tout le monde puis j'étais comme ça ça devrait pas marcher comme ça c'est le truc que... ouais euh, avec okay. lui parce que ma gérante c'est comme t'es-tu d'accord pourquoi t'es fâché à ça mais après elle a compris pourquoi puis elle a dit ok t'as raison c'est parce que j'avais reçu de l'argent. Puis c'était comme à propos d'une subvention, d'un show ou whatever. Puis j'étais comme. J'ai jamais appliqué pour ça. C'est quoi ça? Je savais même pas. Moi, je pensais que c'était une erreur. Alors après, tu sais, j'avais fait certaines shows. Puis je travaillé avec. Habituellement, c'est moi qui fais tout indépendant. Mais je travaillais avec une boîte pour certaines shows. Puis là, je, puis le show était. Ça fait plus qu'un an de ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que le show, on l'a fait. J'avais mis mon argent tu sais, pour les dépôts. Puis euh, tu, sais, tu sais comment tu loues une salle. Tes profits après, qu'est-ce que tu as dépensé? C'est ça que tu gardes. Ouais. J'avais payé le monde qui est avec moi, whatever. Pour moi, l'histoire était finie. Là, j'ai reçu de l'argent, puis j'étais comme ça vient d'où? Oh, c'est parce que ça fait partie d'une subvention tu sais, pour la culture québécoise, tout ça. Alors, c'est une chose. Alors, tu reçois ça, puis la salle reçoit ça, puis tout ça. Puis j'étais comme, oh, oh, oh. j'ai jamais appliqué pour ça. Moi, c'est moi qui prends la décision de, de louer une salle ou whatever. On met les profits et tout ça. puis après, ça, c'est fini. j'ai jamais demandé. Non, c'est pas toi. Les salles ont demandé ça pour toutes les shows et tout ça. Puis les boîtes reçoivent de l'argent. Toi, tu reçois de l'argent. Puis la salle. Puis, bro, moi, j'étais furieux. Puis j'appelle le majeur. Puis je dis, on ne peut pas faire ça. Ça, c'est absurde parce que je n'ai jamais fait cette application. Alors, ça, tu veux me dire que maintenant, il, euh, on pousse pour avoir des shows, pas des bons shows. Parce que là, il n'y a plus de risque. Mmh. Pour moi, il y a un risque. Si je ne suis pas assez bon, si je ne vends pas assez de billets, euh, billet, ça ne va pas marcher. Alors, tu dois être bon. Alors là, tu me dis que pour les salles, ça, ça vaut Il doit juste avoir un show. Même si zéro personne rentre dans la salle, ils vont avoir l'argent par le gouvernement anyway, tout ça. Puis même la personne qui aime fait le show, ça c'est absurde. Puis elle me dit Ben ouais, mais tu sais, si c'est une subvention, tu devrais pas être fâché. Non, je suis très fâché parce qu'on vient d'analyser sur le podcast que je pense 30% des élèves québécois vont à l'école euh, fin. Ils ont pas Puis on, on donne l'argent à des artistes qui n'ont même pas demandé. Mm. Ça ne peut pas marcher. Puis j'étais furieux, bro. Puis je dis, assure-toi que ne peut plus faire ça. Il n'y a pas une chose que je peux faire, que si je ne demande pas, ils, ils vont essayer de me donner. Moi, je veux rien. Je veux rien du gouvernement. C'est moi qui vais créer mes affaires. Quand je perds, je perds. Ouais. Je ne pas random qui dit, oh, you get money. Puis la salle. Non, 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 fuck that. On avait nos deals. Tu sais, je loue la salle on va dire pour 500 pièces ouais. c'est ça qu'ils vont recevoir ils vont pas recevoir une 2000 après parce que moi je suis québécois puis je fais non 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 si j'ai pas demandé j'ai ça ça ouais. aide, ça aide à quoi ça ça, aide, ça aide, mais honnêtement ça aide à, 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 ça aide qui il y, y a toujours il euh, y a toujours une, une, une... j'aime pas le mot classe parce que c'est pas comme parce que ça ré... moi, moi comment je vois les choses c'est que tu as, as des classes économiques t'as des classes euh, physiques, t'as des classes spirituelles, c'est cl comme des qualités de des qualités de vie spirituelles, qualité de vie physique, qualité de vie euh, psychologique, qualité de vie économique, c'est variable. So, comment je le vois, c'est que je peux être moyen économique, mais euh, physiquement je suis euh, euh, top shape. top shape. Ouais. Psychologiquement, je peux être euh, peut-être euh, dans la moyenne. Les matins sont plus difficiles. Euh, euh, peut-être que spirituellement, je me sens plus, plus proche de, de, de mon âme que jamais. So, je suis là. So, J'aime pas le mot classe sociale parce que ça ne tient pas compte d'à quel point c'est nuancé une vie. Là. Il ouais. y a plein de, plein de départements. C'est bien dit. Euh, mais il y a toujours une classe économique qui profite de ces choses-là. Toujours. Tous les, les systèmes qui sont, qui, 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 qui génèrent de l'inégalité, un, il y a très peu d'efforts qui sont consacrés à répertorier les inégalités créées, parce que c'est eux qui devraient payer pour créer la recherche pour voir comment le système crée des inégalités. Et deux, il y a des gens qui profitent de ça. La personne qui t'a envoyé le chèque, en haut d'elle, il y a une personne qui a envoyé le chèque, puis en haut d'elle, il y a une personne qui, qui, est, qui est très contente de vendre le ouais, spectacle, puis, de, puis de, 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 de voir des chèques rentrer. Puis cette personne-là, euh, ben c'est toute une économie qui, basée qui sur est ça. basée sur ça. Donc, c'est est ça, ça qui est tricky. C'est comme si tu veux changer le monde. Tu peux juste changer toi. Parce que, à partir du moment que tu veux changer le monde. Ils ne vont pas être avec toi, eux, ils ont leur. Euh... Eux, eux c'est comme ça qu'ils qu payent leur bateau, c'est comme ça qu'ils payent leur nourriture, c'est comme ça qu'ils payent leur voyage, c'est comme ça qu'ils payent l'école privée de leurs enfants, comme ça, ils payent tout avec ça. So, n'importe quel animal, tu lui prends la nourriture qu'il y a sur, sur, à ses pattes, ouais, il, il, va, il va essayer de te, te mordre pas. Pas juste pour t'arrêter pour te fucking <laughs> Pour pourtant, euh, pour Ben en tout cas un, oh. ch, un chien, ça va, ça va, ça, va aller, ça va aller là où tu peux. <laughs> euh, je vais te donner des détails plus tard. Mais, ah, mais j'ai d'autres détails dire. que j'ai pas dit. Moi, mais... moi je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi je suis totalement d'accord avec toi. Et j'avais une discussion hier avec un ami à moi qui me disait... La seule solution, c'est de travailler plus fort sur soi, parce que dès que tu commences à, à, à pointer du doigt ceux qui le font, ils sont tellement pis ils, 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 ils ont ils ont en ils en profitent. Il y avait quelqu'un d'autre que quand, quand j'avais demandé quelqu'un comme qui est dans ça, qui travaille dans ça, puis il, il m'a dit ah ouais c'est comme ça que ça marche. Je savais pas mais il y a plein plein de, de grands humoristes qui ils vivent sur ça, puis ils vont pas assez de billets comme les autres mais ça, c'est depuis ça. la pandémie, ça, puis by je... the way. Ça, c'est une affaire depuis la pandémie. Ça. Je ne sais pas si c'est depuis quand, mais c'est fou. La, pendant la pandémie, tu avais des, des histoires de. Moi, je n'étais pas en tournée, ça, j'ai n'ai pas pu en profiter. Moi, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'argent pendant la pandémie parce que quand ils ont commencé à, à sortir des subventions, puis des chèques de 2000$, puis tout ouais. ça, beaucoup de gens sur Internet disaient. Oui, mais qui vous pensez qui va payer pour ça? Moi, je suis un de ces gens-là. J'avais des podcasts, puis le monde criait. Mais moi, je ne comprenais que... pas ça. Moi, ouais. je, quand quand je, vous li je lisais ça, je ne comprenais pas pourquoi. Parce que moi, je viens d'un endroit où on n'a pas d'argent. Donc, on ne parle pas d'argent. On ne sait pas c'est quoi l'argent. On n'est pas, pas éduqué sur les ressources, puis sur comment ça fonctionne. Mais je voyais beaucoup de gens dire Oui, mais, mais qui va payer pour ça? Puis je te jure. Je comprenais pas. Je comprenais rien. Comme, je comprenais... Des fois, dans la vie, tu comprends tellement rien ouais, ouais. que tu t'en fous. Je sais pas si tu vois le, ouais, la ouais, nuance. Ouais, ouais. C'est comme, ça dépasse tellement ce que tu sais que es comme, I don't give a fuck. Je, je, je suis même pas intéressé par ce, par ce sujet-là. Mais, à force de le voir, je commençais à faire, yo, comme, pourquoi j'ai jamais lu sur l'argent? Puis là, je commençais à entendre des histoires. Mais tel humoriste, là il était en tournée, mais sa tournée était finie mais ils ont rajouté des dates parce que ils pouvaient pogner des subventions puis là j'étais comme what the fuck puis là je commence à entendre qu'il y a des boîtes de production que ils vivent sur ça et, sur les trucs comme ça qui hein. peuvent aller pogner une subvention pour, euh, pour euh, euh, un, show de, de, un show de telle affaire puis telle affaire puis là je commence à me poser des questions je suis comme yo attends moi je welcome comme, to my world ah, je euh, <laughs> yo puis là, tu réalises, OK, il y a des gens qui comprennent comment le jeu fonctionne. Ouais. Puis, c'est pas des mauvaises personnes. Non, pas du tout. C'est pas des gens méchants, puis c'est des gens... Ils jouent dans le système, ils n'ont pas créé Et... le système, Exactement. ils jouent dans ça, moi, je ne les trouve pas méchants. Exactement. Méchant. So, là où est-ce qu'il y a une friction, c'est que ça... si ça, si ça... qu'on voit la vie, puis on voit ça de manière différente, moi, puis exact euh, juste Exactement. ça. Exactement. Puis ouais. si ça touche à quelque part... Tu sais, dans le fond, moi, je advocate pour le droit de dire clairement et sainement que je selon mes valeurs, ça marche pas. Après, il y a sûrement quelque part dans ma vie où quelqu'un pourrait me prendre en défaut et dire Regarde comment tu es un fucking trou de cul, toi aussi. So, J'essaye de faire attention à comment, comment je parle de ces choses-là parce que je sais que j'ai probablement deux, trois affaires dans ma vie que quelqu'un pourrait dire Mais là dessus toi t'es un trou de cul. Ouais. T'sais, toi On tu aussi. prends toi tu prends toujours la, la lumière jaune. T'sais. <laughs> Comme une bitch, moi je prends la rouge. <rire> <rire> tu, tu snitches tout le temps la police sur Wade. <laughs> ouais <rire> C'est comme mon plus grand bonheur sur Waze. Yeah. Sur le Corée, c'est de snitch les <laughs> polices. Like, uh, On hate the play, I hate uh, the game. Yeah. Exact. Puis, puis quand so... t'envoies trop, euh, t'envoies genre 10 reports, ouais. mais là, ils sont plus là, ouais, ils ouais. ont probablement vu aussi, là. Ouais, puis t'es ouais, comme ouais, genre, ouais. Ah, yes, oh, shit, la police aussi à Waze. Ça, <laughs> so, c'est tricky. C'est tricky parce que, comme t'as dit, le système, il est, est façonné par des incompétents. Mmh. qui n'ont pas, les, qui ont pas les, 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 les qualités de construire le monde dans lequel on vit, ils ont seulement, ils ont seulement le, les, les aptitudes de, de profiter de la qualité de vie qui leur a été léguée. Moi, je sais que les gens qui sont au pouvoir n'ont pas les compétences pour reconstruire. Si on partait demain à zéro, non. ils n'ont pas ces compétences-là. Quand tu lis, mettons, les... T'sais, ils ont leurs fautes et tout ça, mais quand tu lis des textes de Benjamin Franklin ou, ou euh, les, 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 toute tout, tout cette clique-là... Les gens euh, qui ont in inspiré est... toute une la idéologie. Nouvelle, la, puis nouvelle, même... la nouvelle ère de l'Occident. Ouais. Quand tu lis pas juste leurs documents qu'ils ont écrits ensemble, mais tu lis leur travail et leurs innovations, c'était des gens qui avaient un niveau d'érudition, de culture, de philosophie qui était tellement élevé. Ouais. Puis oui, cette époque-là avait plein de était pleine de fautes. Mais si on commence à fouiller les fautes de cette époque-là, on ne pas commencer. On va pas aller dans comment ça se passait dans partout sur terre. C'était ouais. c'est l'humanité évolue au rythme des progrès, au rythme de, des avancements technologiques, au rythme de des efforts. Puis c'est dur de faire avancer l'humain parce que c'est abstrait c'est weird puis j'ai l'impression que mettons écrire des bons documents ou créer des choses qui se tiennent des bonnes œuvres des bons trucs c'est pour moi c'est une bonne façon de faire avancer le, la société je pense Absolue. moi j'ai trouvé que, que c'est une des façons les plus saines pour pas me fâcher c'est que genre check des fois je suis fâché contre le système puis là je me rappelle que j'ai pas assez travaillé aujourd'hui honnêtement j'ai vu hier au moins quatre heures que j'ai mis dans de la merde. Puis je dis, le jour où ça va faire un an que j'ai gaspillé aucune minute de mes journées, là peut-être que je vais pouvoir être plus virulent sur ma façon de de critiquer des individus dans la société. Mais avant ce jour-là, j'essaye de juste mettre un peu d'eau dans mon vin puis faire relax. C'est oui, il y a des choses injustes, mais Peux, selon ce que moi j'ai compris de la vie je peux en faire plus ouais. ça me semble être une place où ce que je hate pas trop tu mais, mais si je me laissais aller je pourrais hate beaucoup je pourrais moi aussi mais c'est moi <laughs> moi je me fâche, puis je crie pour un instant je dis mes idées puis après j'arrête ouais ok mais ça c'est j'ai sorti tu ouais, savais qu'est-ce bon. que je pense puis après j'arrête je vais pas comme te, te harceler moi c'est ça que j'aime moi j'ai envie que les gens j'ai envie que, mettons, il y ait un nouveau. un nouveau. Euh, comme une nouvelle mode intellectuelle ou idéologique, là, qui est d'être confortable avec les idées puis les opinions des autres. Ouais. J'ai envie de ça. On était là, les années 90, c'était comme ça. On s'en rendait pas compte. Ouais. Mais c'est vrai qu'on était là, mais on s'en rendait pas compte. Puis là, j'ai envie de, 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 de. Moi, en tout cas, si je vois qu'il y a un mouvement dans cette direction-là, je vais. Je vais y aller parce que je, je veux apprendre à plus être pas d'accord avec quelqu'un, puis qu'on soit pas émotionnellement attaché à nos idées. Merci. Ça me tente de ça, tu sais. Je trouve que ça, ça ferait des meilleures discussions, ça ferait des meilleurs débats, puis je sais pas, il y a quelque chose de plus, plus mature dans cette façon de faire. Ça, c'est de la vraie progression. J'ai l'impression. Ouais. Non, comme, avec toi. On peut pas être d'accord sur ça. Sur, 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 Regarde toi-même, moi je ne suis pas d'accord avec Pantelis il y a 5-6 ans, certaines choses de Pantelis. Mm -hmm. Mais il a évolué. La personne que je suis aujourd'hui, dans le moment, je suis d'accord avec lui. Mais dans 5 semaines, peut-être, je vais regarder et je vais dire, hum, telle affaire, je suis pas d'accord avec lui. Ouais. C'est ça la vie, c'est ça la progression. Et je, imagine quelqu'un qui dit, non, toute ma vie, moi je suis parfait. Exact. Quand je chie mes culottes comme bébé, c'est cool ça. Mais, ouais. mais non, tu dois évoluer, t'as dire ça. J'ai appris de ça. Je n'ai jamais eu un niveau. Je n'étais jamais eu une intellectuelle à un niveau où je peux dire je sais tout. Moi, la seule chose que je sais à 100%, c'est que je ne sais rien. C'est mmh. vraiment ça. C'est juste ça que je sais à 100%, que je ne sais rien. Mais j'essaie de mon mieux. Avec les aptitudes, les connaissances que j'ai, j'essaie de mon mieux, mais je sais rien à propos de tout. Je sais, je sais rien. 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 Ah, c'est bon. Ah, ouais. rien. Je sais rien à propos de tout. C est, c est, ouais, mais c'est vraiment ça. C'est bon, vrai, mais C'est vrai. C'est vrai, comme tu fais ton mieux pour, tu fais ton mieux pour comprendre quelque chose au, au, ouais. au mieux de, de, de tes capacités, mais ça reste que c'est rien. C'est rien. Oui, je suis totalement d'accord. c'est ça. C'est une drôle de, drôle de période, mais. Euh, quand Même intéressant, quand même euh, excitant par moments. Mais à chaque fois avec toi qu'on a des, des conversations comme ça, bro, c'est magnifique. Ben, ça me fait tellement plaisir, man. Ben, euh, Adi, encore a déjà une fini? fois. Ouais, ah. on a de... juste parce que j'ai une meeting chez Apple Podcast, il veut me voir au centre-ville. Euh, alors, je vais aller les voir. voir Qu'est-ce qu'il veut discuter? Let's go. Let's go, pourquoi pas? Je savais même pas qu'ils avaient des bureaux ici. C'est juste à côté du centre-ville. Ouais. Si t'as rien à faire, viens avec moi. Mais non, bro, euh. c'est dommage. Nice, man. Tu me diras comment ça se passe. Hein? Je suis curieux. Tu dois commencer ton propre podcast, toi, es intéressant. Ah, je sais pas, je sais pas. Arrête. Oh, un jour ça va arriver. Si j'en ai un, tu vas être mon premier invité. Oh, c'est un premier, <laughs> puis moi, je suis dans le C'est toujours le monde qui dit ah, je sais pas, qui va commencer un podcast ouais, C'est <laughs> le meilleur. Mais tous tes liens, si quelqu'un ne te connaît pas, je sais pas comment ça serait possible, mais euh, tous tes liens sont dans la description. Adibalcalidé.com. That oh, that's it. C'est tout ce qui compte. Tout, tout est là. Yeah. Merci, bro. Hey, merci, les gars, man.